Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est samedi, donc je vais vous proposer un nouveau jeu que vous pourrez installer sur vos tablettes et vos smartphones. Pour cela, je vous laisse aller sur le Play Store. Je vous laisse rechercher dans la barre de recherche en haut Word Cookies. Je fais la petite loupe en bas à droite. Et je vais cliquer sur Word Cookies proposé par Bitmango. Vous avez une présentation du jeu, vous pouvez cliquer sur Installer. Une fois l'installation terminée, vous pouvez cliquer sur Ouvrir pour lancer l'application. Ce jeu est proposé par Bitmango. Alors, nous avons déjà vu plusieurs jeux proposés par cet éditeur. Donc, comme pour les autres, on coche la première case qui nous permet d'accepter les conditions d'utilisation. Par contre, je ne personnalise pas mon expérience, sinon j'aurai de la publicité ciblée. Donc, je peux faire Start Playing. Une fois le jeu chargé, vous avez une présentation qui vous est faite. Alors, le but de Word Cookie, c'est de trouver des mots avec des lettres qui vous sont proposées en bas. Donc, vous avez une présentation qui vous indique. Donc là, je dois faire le mot su. Donc, il faut que je glisse entre le S et le U. Maintenant, il faut que je fasse le mot bus. Donc, pareil, je vais glisser les trois lettres et ainsi de suite. Donc, j'ai gagné 5 points. Je peux faire suivant. Donc là, il faut que je trouve deux mots de trois lettres. Donc je vais mettre top et pot. Suivant. Vous avez des indices qui vous sont proposés. Donc mélanger, il va changer l'ordre des lettres dans la casserole. Cette spatule, par contre, est payante. Donc 25 pièces. Vous avez votre compte de pièces qui se trouve en haut à droite de l'écran. Plus vous jouez, plus vous gagnez de pièces. Donc si je dis compris, là, je vois je. Par contre, je ne vois pas les autres mots. Donc je peux mélanger. Donc ça va être U. Et ça va être je. Suivant, etc., etc. Donc, mon, on et non. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien Jardin des mots, etc. On est sur le même principe. Donc là, si on part du principe que je n'ai pas assez de pièces pour acheter une spatule et que je veux en acheter, si je fais le plus, vous avez là, des pièces qui vous sont proposées, par contre, vous voyez que c'est quelque chose qui est payant. Donc, je ne vais pas payer pour des pièces. Par contre, en échange d'une publicité, donc là, si je fais Watch, une publicité va se charger. Par contre, vous êtes obligé de regarder la publicité jusqu'à la fin. Donc, vous voyez que j'ai une barre bleue hein, tout en bas de l'écran qui me montre l'avancée de cette publicité. Et à la fin de cette publicité, je peux fermer à la croix en haut à gauche. Donc là, c'est sur le timing de mon enregistrement. Et j'ai gagné 15 pièces supplémentaires. Donc, le fait de visionner des publicités, c'est un moyen de pouvoir obtenir des pièces pour les spatules. Après, c'est vraiment un jeu de vocabulaire. Donc, plus vous allez jouer avec, plus vous allez avoir des mots que vous allez repérer. Nous en avons terminé sur ce jeu Word Cookie. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.